Donc bon, normalement, match-up que connaît plutôt bien Fan 2. Au moins tu pourras l'engueuler quoi. Voilà, mais match-up aussi que connaît plutôt bien Niark. Oui. Parce que dans les deux cas, bah, soit enfin, Niark qui jouait pas mal avec Gugu, ouais, donc très bon joueur de Falcon, et Fan 2 qui joue juste avec moi-même, joueur de DK, tu vois. Ouais, ouais, forcément. Et du coup, ouais, c'est cool, on pourra un petit peu plus décrypter les interactions entre les deux joueurs. On est parti sur Battlefield. Battlefield, ouais. Ok, on commence à tourner déjà avec une première sim de backer, le deuxième, c'est fini. C'est déjà là. Ah non, c'est pas non, fini. Okay. C'est Falcon, ça va. On a quand même déjà pensé à garder son saut côté ouais. Fan 2, c'était bien vu. On n'a pas trop tapé sur les boutons du côté de Fan 2, mais on arrive à reprendre l'avantage. On va prendre ce B malheureusement qui a été biffé du côté de Niark. Donc voilà, pour l'instant, début de game plutôt quand même du côté de Niark. On arrive quand même à répondre, à rendre coup pour coup côté Fan 2. Attention ici, wow. C'était très bien vu là. C'est superbe. Je défends la plateforme, je te mets le deuxième EPR in Toony. Ouais. Le petit temps d'attente là du côté de Niark qui est très appréciable. De Niark, de Fan 2, pardon. Et là, maintenant, on va prendre attention quand même côté Niark à pas se précipiter en désavantage. On essaie de bourrer side B, up B. On se prend le dernier sur la Rico. Oh là là. Ne rigole pas de côté Fan 2. Ah ouais, là, Fan 2 il a dit attends, t'as essayé de me mettre un clip à zéro là? Tu veux quoi, mon ref? Je te jure, c'est lui le clipper original. Et là, attendant, on arrive pour l'instant à faire. Enfin, à bien bousiller ce petit singe. Okay. On l'envoie de part et d'autre de la map. Ah, on va trouver les petits combos starter et déjà 80% de gratté. Ah, c'est une visite d'appart, le frérot là. Là, ça aurait pu aller très vite si le nerf avait touché. Si le first nerf était touché, c'était fini. Et là, on a un peu trop. Un peu trop fast-fall du côté de Fan 2. Malheureusement, ça lui coûte la stock, mais c'est pas grave, on a une très belle avance. On a sauté, fallait pas sauter. T'avais le temps d'air dodge, c'est pour rester en tête sur la plateforme. Non, faut pas sauter pas dans les combos de Falcon, c'est pas bon pour votre santé. Force à vous. Mais c'est vraiment parce que Niark il a envoyé un message hyper fort début de game. Ouais. Vraiment début de game, je trouve déjà un backer 2, backer 3. Olive a très bien répondu. Ouais, je il a plutôt bien répondu. Il a pas perdu de temps pour la réponse. Ouais. C'était la game a duré sûrement moins de 2 minutes quoi. Donc on est encore en BO3 ici, ouais, loser round 3. Ouais, loser round 3, ouais. En plus, honnêtement, enfin, on joue pas mal le match-up, je trouve vraiment que BF c'est peut-être pas la meilleure des maps. Bah c'est ce que je me suis dit, on va en parler, mais la game a tellement été rapide qu'on a pas eu le temps. Mais au final, on reprend BF. Après, peut-être que si juste les bans de Fan 2 Force Niark à partir sur la map. Mais voilà. Là, quand même, attention, surtout qu'en plus, on a eu 2 morts sur une plateforme. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment conseillé de retourner sur BF? Je sais pas, à voir aussi comment Niark va se Après, peut-être que toi, en tant que joueur de DK, comment t'apprécies Battlefield? J'apprécie pas la tête de match. Après, le truc, c'est que tu vas te faire H24 Shark sous plateforme par le Falcon. Dès que tu atterris sur une plateforme, tu vas te prendre un EPR d'où que tu sois. Ouais. Et en plus, tout ce qui est ding-dong aussi, juste les kills off-stage avec la cargo, bah, c'est un peu une galère sur BF parce que bah, les maps. Oui, la map est beaucoup plus grande, c'est vu qu'il y a 3 plateformes, et de manière générale, tu vas pas sur la 3ème plateforme. Mais exactement. Le downer aurait peut-être dramatique. Là, mais on a Fan 2 des grands jours. Fan 2 format DCNV ici qui laisse aucun buzz à Niark. Ouais, il en a marre d'être un flooper. Ah, je te jure, hein, je sais qu'on a pas mal parlé avec ces derniers temps. Moi, j'essaie d'en faire un champion. Et c'est peut-être le moment là. Par contre, attention, ici la pressure off-stage qui fait très très mal. Hein. C'est quand même le 4ème backer qu'on se mange dans ce putain de corner. Ouais. Il s'agirait de trouver une option. On arrive à trouver la roll et là, début de phase d'avantage. Là on a réussi à roll out, on a réussi à récupérer l'avantage, mais on s'est fait taper, on a tapé en désert du côté de Niark et ça a réussi à passer, on a repris le stage, mais là Niark il n'arrive pas à réatterrir, on va prendre up tilt, nerf, et on n'ira pas plus loin, on est très concentré du côté de 22. L'air dodge qui a été cramé qui ne sera pas puni. Oh là là. On se prend attention quand même. Il y a pas en fait, c'est sûr, de côté Niark, on prend pas mal d'options, des avantages. On voit beaucoup de side B sortir. Par contre, on est accroché au ledge, au petit backer ici qui fait bien le café. Ouais. Mais voilà, tu vois, pareil, cette air dodge là, attention à ces options. On reste dans Kekong. On est un gros tas. Hein. On prend vraiment la misère à partir de rien. Donc c'est ces moments là où on va peut-être tous accepter de prendre un move, prendre un deuxième EPR et partir après le EPR quand on l'a accepté, tu vois. Clairement. Il y a moins de chances de se faire littéralement annihiler la stock, surtout contre Falcon et contre Fan 2 qui est plutôt énervé parce que un deuxième EPR, un nid peut partir très vite et je pense qu'on préfère air dodge le nid plutôt qu'un EPR. Ouais. Par contre là attention parce que le temps qu'on parle, on a quand même un bloqué à 163%. Oh c'est dommage, si le up smash allait sûrement trouver peut-être la stock, mais 180% sur des cailles, si c'est fini. Oh là là, on a essayé de se mixer, c'est beaucoup de si cher. C'est dommage que DK avec autant de rage, c'est exactement ce que t'aimes quand t'es dans Kekong. Pouvoir trouver tes stocks bien plus tôt, c'est presque 15% de réduit pour trouver des stocks. Même là, F-Smash t'as tué non? Ah pas mal de trucs tués. Après, je pense qu'on peut-être on avait peur du mashing de Fan 2. Ouais. On a juste voulu schmix. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui trouvaient la stock ici avec autant de rage. Clairement. Alors, on a trouvé un backer. Tout ça, côté Niark, on arrive à revenir maintenant au pourcent, à revenir au stock. Clairement. Faut quand même faire attention, 42, c'est rien des joueurs. Oh là là, on va chercher le bon air.
je le connais par cœur, c'est donc quelqu'un. Ouais, non, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Ok, petite situation, attention. Alors, là, il y a des choses qui font peur. Enfin, c'est Niark qui peut être désastreux pour Niark. Ouais, on a... Et là, on s'est un peu précipité du côté de Fan 2. On est un peu moins précis au niveau du coup. On va trouver un down air qui amènera à rien. Gentleman pour amener offstage. Et on joue tranquillement stage control, ça c'est bien vu. Par contre, attention, là, le bec est un petit peu précipité. On peut se mettre dans une situation désastreuse. Il y avait une bonne idée quand même derrière. Et on essaie de faire peur. On a pas on a tenté qu'une seule fois le down air à l'edge. Ouais, non, je... stock, mais on le retente pas plus. Je pense qu'on préfère quand même essayer de jouer les ledge trap ici, sachant qu'on est dans une situation où si on arrive à trouver le Dunbe en ledge trap, ça peut être désastreux aussi pour Niark. On peut trouver des stacks très très rapidement. Clairement. Et attention, on a un Donkey Kong avec un peu de rage. Hop, normal, un peu top. Ouais, bon. Je le connais par cœur lui aussi. Ouais, forcément. Et 2-0 sec pour ce bon vieux fan de fromage qui a été Impérial Game 1. Ouais. Un petit peu de précipitation game 2, mais on s'en sort très bien, on arrive quand même à gagner. Non, en fait, je trouve ça dommage que c'était Niark parce qu'on avait vraiment un avantage, enfin un avantage non parce qu'on avait 153%. À ce moment, on a réussi à